Salut les poilus! Ce soir, on continue l'aventure Borderlands 3, évidemment avec les copains qui sont là, qui doivent m'attendre. On va pas faire une intro super longue. 4 minutes 35, je suis en retard. Je suis en retard de 35 secondes. Tout va bien. 35 secondes? Mais pourquoi? Ah ouais, parce que moi j'ai le minuteur. Ah mais non, ils sont même pas encore là. Ah mais ça va, ouf. Je c'est chouette, tout va bien. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir, j'étais le premier. Et bonsoir. Coucou tout le monde. On est ready, on lance, c'est bon, vous êtes frais, vous êtes partant, vous êtes aéré, vous êtes alimenté, hydraté. Pas du tout, je vais aller dormir. J'ai prévu, normalement, j'ai mon café dans ma tasse et j'ai encore deux cafés dans le thermos à côté. Donc normalement, je suis paré. Bon, très bien. Les autres aussi? Parfait. Allez, c'est bon, oui, avec moins de tasse. Allez, let's go. Parti. Allons-y. Chapitre 4 décollage. On est déjà au chapitre 4? Apparemment, ouais. Ouais, ça monte un petit peu. Sur 5, c'est un peu... C'est pas mal. Ouais, sur 5, c'est un petit peu rapide. Ah, bon, bah, on a fini ce soir, en fait. C'est bon, ben... J'étais court, mais intense. Par contre, moi, j'ai vu des gens, ils sont déjà plus bien. Pourquoi je spawn? Ah, bah, le jeu est sorti depuis une semaine. Hein, donc, oui, le jeu... Voilà, c'est ça. Il y a une semaine qu'il est là. Vas-y, vas-y, viens. Lily m'a quitté le groupe. Accepte. Ok, je dois accepter quoi? Vas-y, regarde le truc, il appuie sur E. Bah j'appuie sur. Regarde la base, si tu crois nice. À le niveau. Vas-y. On est retourné. Ah non, on est là. Oula, 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 tout le monde y s'en va. Ça commence trop vite. Attends, c'est trop tôt. N'explique pas tes munitions. C'est trop tôt. J'avais pas vu. Aïe, ouf. Oh, vas-y. Ramène ta grosse bébête. Ah, bobo. Mais non, pour l'instant ça va, c'est que... Mais elle fait trop mal ta machine. Mais non, elle fait pas trop mal. Elle chauffe. Esquive. Oh oui, sors, vas-y. En plus, t'as pas pris 2 points de dégâts. Terrible. Ah ouais, non, mais... Oh non, tu fais sortir une cul. Terrible. Il a même rechargé son bouclier, Ezra. Le robot de la mort qui tue. Allez. Je suis en train de mourir. Au secours. Oh, t'as changé de bête, oups. Ouais. Ah, merci beaucoup. Mais une chance, c'est que tu peux pas changer de bête, tu peux pas avoir plusieurs bêtes en même temps. Ah ouais. Mais je vais encore changer. Je vais il est bien lui. Oh, il a un flingue. Il est bien lui. Ce bête, mais ouais. Énorme. Il a un flingue et plus tard tu peux l'améliorer soit en mitraillette soit en fusil à pompe. Oh, excellent. Bah là franchement j'hésite parce qu'en fait il y a aussi le pet qui permet de soigner qui peut être pas dégueu, je pense. Coucou toi. Ah coucou. Oh, bah oui. Eh, ouais, par contre moi. Au niveau des confs et compagnie, je crois que j'ai merdé hier, j'ai pas trop le temps. Oh, y'a un fantôme qui se balade. C'est qui le fantôme qui se balade? C'est moi. Ah, c'est Oupsinette. Je choisissais une compétence à activer. Moi, je crée un double, moi, carrément, je m'emmerde pas. Tac. J'ai fait recharger, ça doit lancer une grenade. On pourra changer. Ça fait quoi? Faire apparaître un point géant qui sort du sol et verrouille. Oh, mais c'est quoi ce grenade que je viens de balancer? Elle est charmée là, On gigote? C'est parti, c'est parti. Allez. On gigote les gigoteurs. Là-bas, la voiture. Un véhicule. La tuture. Ah, mais j'ai envoyé sans le faire exprès le. Ah, elle est là. Hop. Dépayer le véhicule. Nice. Ah, oui, merde, faut pas que je me gourre. Vérifions. Ouais, c'est bon, c'est la bonne. C'est parti pour le rallye. Mais ouais, moi je. J'ai pas bien compris le principe des bagnoles parce que. Bah, se déplacer plus vite. Oh, j'ai des petits coups de lag pour ma part, je sais pas vous. Ouais, j'ai des gros coups de lag aussi. Pareil. Oulala, ouais. Je me prends le décor. Au secours. Mais non, mais attends, il veut pas la déployer. Ah. Oula, mais ça lag beaucoup. Faut appuyer sur Q pour déployer. Bah oui, mais il veut pas. Ah voilà. Non, il veut pas. Ça lag beaucoup. Pourquoi ça lag autant? Ça lag énormément là. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Ah bah, moi, je crois. Enfin, c'est fou quand même qu'il y ait des lags comme ça. Attends, je peux rien faire. Attendez, je vais regarder vite fait. Tac. Ah voilà, c'est bon. J'étais pas dans le bon moment. Essayer de baisser un petit peu. Ok. Merde, j'ai oublié de changer le titre moi. Et t'es un tête d'âne quand même quand tu picoles. Et je fais du meilleur boulot quand je modère chez toi, Nel, que quand je suis chez moi. C'est quand même fou. Bon les amis, c'est sur ma position. Rassemblement, soldier. Je suis là-dedans.
Allez, c'est bien. Mais what the fuck? Mais j'étais bien garé et tout. Mais enfin. C'est vraiment des soldats en carton qu'on a, hein. C'est terrible. Mais enfin, j'étais bien garé. Les coups de lag, je pense. Attends, car il est dans le menu. Il est dans le menu, Oh, le petit pet. Oh, bouillon. Oh, coutou. Eh, c'est mon pet, laissez-le, hein. Il est à moi. Bon, le snooker, c'est stylé avec ses lunettes. Regarde ça, il est super stylé. En plus, il a une arme et tout. Ouais, je l'aime bien. C'est très sympa son petit. Ok, c'est cool. Il tient la queue, t'as vu? Je suis plus dans le menu normalement. Vous pouvez, Il a des étoiles dans le derrière. Il se drate à rater. Ah oui, d'accord, vous êtes là. Ok, j'arrive. Plus de lag. Il se drate, il s'en fout. C'est terrible. J'ai plus un seul lag là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est. C'est compliqué toi, Karian? Pas forcément compliqué, mais ça lag un peu. Ok, moi j'ai baissé un peu les qualités graphiques. Ah non, moi ça marche. Attendez, coucou Mdem, comment vas-tu? Tac. Pour l'instant, ça passe. Hop. Allez, au site de fouille. Oui, Tanis. On a besoin de ton aide. Vous devez être le nouveau chasseur de l'arche de Lilith, et vous avez trouvé la carte. Je suppose que je dois vous féliciter. Voilà qui est fait. Allez, laissez-moi regarder. Pendant que j'examine cet artefact alien incroyablement complexe et inestimable, vous pouvez attendre dehors et voler tout ce qui n'est pas cloué. Tout ce qui n'est pas cloué. D'accord. Vas-y, Karik, va lui voler sa culotte. Faut fouiller tout, prenez tout, prenez tout son stock. Qu'est-ce que tu dis, toi? Vas-y, on peut prendre tout ce qui n'est pas cloué. Il est très sympa. Bah, qu'est-ce que t'en sais qu'elle a pas cloué sa culotte? J'ai rien vendu, moi. Tout le monde va croire qu'elle aspire à la force vitale des gens. Par contre. Grâce à sa secte. Pour l'instant, les arches renferment une puissance immense. Et je n'ose pas imaginer ce qui se passerait si les jumeaux Calypso les trouvaient avant nous. Ouais, il y a une arme ici. Une mitrailleuse. Un truc du genre. C'est plus un fusil d'assaut, ça. Vous aussi, vous entendez des cris ou c'est moi qui fais encore une attaque? Pas terrible, cette arme. Je vais les accueillir avec mes poings. Baston! Du sang! Super fan! Alors, cette carte, ça avance? Passe-la à moi et tu pourras rejoindre notre famille. Ça arrive! Yes! Pourquoi, comment ça, tu veux pas? Intervention! Adieu les trouillards écarlates! Mais qu'est-ce que ça fout encore en rafale, ça? Je suis obligé de le changer à chaque fois. Enfin bref, parfait. Mon frère va discuter sa mort sur tous les connards! Alors fais un effort pour essayer de pas dire de conneries. De toute façon, j'effacerai. Lélé, si vous m'entendez, les bombes tirent au site de feu! Et ce n'est pas le genre de belle surprise que j'espérais! Je suis en route. Écoute-moi bien, recrue. Ne les laisse pas toucher à Tanis ou à la carte. Ah, t'as trouvé une colonne humaine. T'as le profil. Il est pas doué, Allez, essaie. Ah, en fait, quand je tire un certain nombre de munitions, ça balance une grenade, mon arme. C'est plutôt ton arme qui se balance, en fait. Tu jettes ton arme et elle explose. Après, t'as différentes variétés, on va dire. T'as aussi des armes qui reviennent, et qui suivent les ennemis qui tirent dessus automatiquement. Plus de munitions. C'est drôle à voir aussi. Plus de munitions. Et de la purée. C'est de la purée. Moi j'ai plus de vie surtout. Oh, y'a un fanatique brutal, faites gaffe. Sans être mal, les petits coquins. Bon, j'ai plus de balles, moi. C'est résistant quand même ces moments, mine de rien. Le fanatique est mort. Si tu en vois dans eux, ils étaient plus fragiles hein, quand même. Ouais. Ils sont bien plus résistants. J'ai l'impression que c'est de voir, si vous vous rappelez, Isdra, le jeu que tu jouais avant, en coop à plusieurs avec des armes dans une cité Washington complètement défoncée. Oui, bien sûr, Division. Lol, ouais, c'est ça, ça fait penser à ça un peu. Ouais. Ah, mais en fait, le principe de Division, c'est que si tu joues avec un joueur plus élevé. Ouais. Tous les joueurs vont prendre le niveau de ce joueur-là, ou du moins juste en dessous. Ah oui, ouais. Et ça permet en fait d'avoir des... que tout le monde s'amuse bien en fait. Parce que même les bas levels... Mais... c'est quoi, c'est la de merde là pieds. Ah ouais, je sais pas.
Bon, moi j'ai plus de balles. Oups, ton pet il balance des caisses. Ouais, j'ai vu tout à l'heure, il a balancé un tonneau électrique. Ah, c'est trop drôle. Oui, en fait, c'est des trucs élémentaires qu'il envoie. Je dis des trucs parce que c'est différent en fonction de ce qu'il lance, quoi. C'est le pet que j'ai choisi aussi sur mon. C'est notre moment. Bon, moi je vais avoir vraiment un problème de mission. Je meurs et pour que la famille survive. Merde. Si je tire sur les alliés, ça va peut-être pas réussir. Derrière, ça arrive. Dessus, ouais, je l'ai dans le viseur, ça le touche pas. J'ai un pistolet, moi, qui fait de l'électricité et du feu. Bon, ça, ah, choisis le feu quand il n'y a pas de bouclier. J'ai une fâcheuse tendance à vouloir tuer Lilith, je sais pas si c'est normal. Ben, moi, c'est pareil, je tire plus sur les alliés que, ouais, sur les, que sur les ennemis. Ah, les clampins qui sont en balade, franchement, c'est beau. Nous sommes au rendez-vous et nous allons sauver le monde. Oui, ou pas, ou pas. Ou pas. Ou non, pas. Laisse-moi avoir un doute. Alors, par pitié, finissons-en. C'est quoi ça? Dites-moi que vous avez réparé la carte. J'ai fait ce que je pouvais, Lilith, avec mon intellect supérieur, malgré mes ressources limitées. On fait un essai? Putain, mais il faut vraiment des balles, moi. À présent, ça devrait marcher. Oh, c'est joli. Certaines données sont corrompues. Il semblerait que la carte ait subi d'importants dégâts. Hypothèse, c'est plutôt ballot là, les dégâts sur la carte. De charger la carte, mais ses pouvoirs n'ont je fait teste les armes que je chope. Alors, je suis déjà pas doué avec les cartes classiques, mais celle-là, je sais plus rien. Prométhée ? Bien sûr ! C'est là que tu monsieur Oops, j'ai quelque chose pour toi. Oh ! Beau travail, Thanis. Je crois que c'est ça, ouais, c'est on ça. On part pour Prométhée alors ? Par contre, tu vas pas pouvoir l'installer tout de suite. On dirait bien. Quelqu'un est intéressé par le snipe ? Il a l'air sympa. C'est lequel, du coup ? Celui qui est à côté de Thanis. Le Headcast, là ? Là, regarde-moi. Là. À mes pieds. Ah, il y a que toi qui le vois, en fait. Ah, mais le... On n'est pas en partagé. C'est des adversaires qui l'ont lâché ? J'en ai aucune... Oui, je sais pas. De toute façon, si c'est par terre, oui, c'est forcément ça. Et ce stuff-là, en fait, il t'est personnel. Si tu veux pouvoir le montrer aux autres, tu le ramasses et tu le rejettes par terre. Ah, mais c'est pas... C'est... Ok, je croyais que c'était partagé, moi. Non, mais ce qui est partagé, c'est les loot qui sont dans les armoires, les caisses et conneries. Ah, ok. Eh bah attends, je vais te larguer. Oh bah moi, à mon avis, il me conviendra pas. Oui, ça, je peux... Oui, bizarrement, ça me fait pas beaucoup. C'est-à-dire de... que... regarde, je te montre... Je te montre le mien, vite fait. Tu l'as rejeté, Oups. Non, justement, il est où le truc que je te demandais? Là. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est un X dessus. Bah, dans quoi? Dans la caisse, là? Non, là, la par terre. Il est juste devant la caisse, là. Bah, moi, j'ai rien. On voit rien. Peut-être que tu le ramasses avec une personne qui change directement, plutôt. Ici, c'est là, pas ça? Vois. Dégâts 28, c'est pas ça? Ici il botte, là. Ouais. Yep, c'était bon, j'ai pris. C'est quoi, c'est des modes du coup, ça, je suppose? Ouais. Ouais, j'ai pas encore débloqué les modes pour le moment. Alors, tu vois, ton... C'est toi qui as rejeté le snipe bleu, là? Non, c'est moi qui ai jeté. Pas bleu, électrique. T'as vu, il fait 28 de dégâts. Le mien, il en fait 125. Ah, mais ça m'étonne pas, hein, c'est comme Borderlands 2, ça. Hein, c'est... Yep. C'est très dit. Bon, on se bouge les miches. Oui. Allez, camarades, en avant. En tout cas, pas mal mon pet qui balance des tonneaux partout, quoi. Généralement, quand je marche dans la merde, ça part en frottant un peu. Mais toi, tu t'accroches bien. Alors, je vais t'expliquer vite fait. La carte et toutes les arches me reviennent de droit. T'as pas la moindre idée de ce que sont les arches ou de ce qu'elles font. Moi. On est les descendants de l'arche. Ah, drôle de façon de monter dans la voiture. Oui. Qui c'est qui m'a poussé? Ça, c'est un coup de ouf encore. Non, pas de bol.
Putain, les clampins sortis, je me prends des murs, moi. Oh, mais débutez, mais pousse-toi. C'est terrible. Avec Karig, nous, on est... Oh, purée, Karig. Oh, le parking de Nel, quoi. Tout dans la délicatesse. Salut. Je suis très j'arrive au supermarché. Permettez, j'ai mes courses. Quoi, on rentre là-dedans? Non. Chasseur de l'Arche, tu peux aider Ellie à préparer le vaisseau? Oui, on va aider Ellie. Et les amener à bord. Je m'en charge. Bon, tu te dépêches d'ouvrir, okay. Oui. À plus, Lilith. S'il peut plaît. Reste bien sur tes gardes, Ellie. Les Calypso vont pas nous laisser partir aussi facilement. Ah. Bon, alors là, j'explicationne. Attendez, j'arrive. Oh, une voiture à carburant. Surtout, s'il vous plaît, ne tuez pas les gens. Ok. Ça va être dur, mais je vais essayer. Pourquoi je peux pas monter dedans? Parce qu'il y a que deux places. Ok, ça marche. Débrouillez-vous. Vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre si vous voulez, mais surtout, vous tuez personne. Ne pas tuer. Ah, mais on peut prendre une bagnole ici, en fait. Ah, mais c'est tentant. Tu m'as mis entre les mains un truc qui balance des explosifs. Eh, raté. Mais je crois qu'il fallait tuer personne, c'est des écrasés, c'est quoi ce bordel? Parce que, en fait, c'est la voiture qui va récupérer du biocarburant. D'accord, du biocarburant, c'est des tripes. Ok, voilà. Ça va très bien. Et par contre, avec mes lags, c'est un peu compliqué. Tu veux que je conduise? Sinon, je te regarde faire du rodéo, c'est un peu drôle. Bon, par contre, m'empêchez pas de rouler, s'il vous plaît. S'il vous pise. Sinon, on va passer 3 jours. Vas-y, vas-y. Joli. C'est beau. Non mais je fais des mais c'est pas Isdra qui fait l'idée, c'est Karigan. Terrible, c'est Maïk. Alors déjà que je Aïe, mais lâchez-moi, monsieur. On lui volerait pas sa voiture à lui? Vas-y. Ah mais attendez, ils sont où là? Ils vous poursuivent à mort. Ouais. Avec les lags en plus, pas facile. Tu peux tuer la voiture ou pas? Non. Oui. Ah! Je te balance des trucs dans la Bon bah faut recommencer. Non mais d'où? Bah il nous a bien fait mal quand même. Mon dodo, je te ramène. M'écrase pas s'il te plaît. Non, je t'écrase pas. Attention, il y a des volants. Merci. Ah. Je te ramène au début alors. Pourquoi j'arrive pas à monter là? On repart au début, c'est ça? Ah bah quand même. Allez, vas-y, ramène-moi. Bah, les lags que j'ai par contre, c'est... what the fuck. Non mais attends, j'ai jamais vu ça. La bagnole, elle a pris masse de dégâts d'un coup, là. J'ai pas tout compris, hein. Oh, il y a des bêtes. Ne les tuez pas, ne les tuez pas. Faut pas les zigouiller. Ouais, là, c'était à gauche, hein. Ah, merde. Nickel, Schrom. Et après, je sais pas, il y a peut-être moyen d'en sortir d'autres, des véhicules. Oui, ici, derrière, là, on a sorti les nôtres avec Oops. Ouais, mais du coup, il suffit de changer de véhicule, en fait. Tac. Absolument. Tu vois, t'appuies sur le châssis, et t'as accès normalement à l'autre véhicule. Bienvenue, ton petit gars. Quoi, qu'on pourra en avoir chacun, c'est ça que tu dis? Tac. Ah, moi, j'ai pas débloqué d'autres châssis pour le moment. Non, moi j'ai rien d'autre, j'ai que le baroudeur. Moi j'ai rien du tout. Oh, il est blindé mon barreau. Ah, n'hésitez pas à... Surtout quand vous récupérez des pièces. Non, ça on va éviter. Ça, je sais même pas si j'ai autre chose, non. Et normalement c'est là qu'on devait avoir. Putain, j'ai pas. Non, merde, mais je fais n'importe quoi. C'est bien par contre parce qu'on n'a pas besoin d'attendre. Elle est où du coup la bagnole? Faites réparer la caisse de biocarburant. Non, c'est pas celle-là. Il me dit toujours de la faire réapparaître. Donc faut peut-être demander à... Faut aller voir Ellie, non? Peut-être, ouais. Ah ouais, faut peut-être voir plutôt Ellie plutôt que de... Ouais, non, il faut retourner voir Ellie, je pense. C'est plus logique. Bon, je me fais une clope vite fait. Oh, t'arrêtes, Hydra! Non, mais sérieusement, quitté de la gâchette, ce mec! Alors là. Oups!
Isra, elle a pété la voiture. Regardez là. Jour après jour, les DDA viennent se frotter à la reine. Tu m'as un peu aidé. Hein. Bien rétamé. C'est moi la reine, je précise. Bon, c'est comment qu'on fait pour la faire réparer la bagnole là, ouais. Clairement. Moi, je peux m'en sortir. Ouais, j'avais même pas vu tout ce qu'il y avait là. Une planète sauvage comme faire réparer la caisse de carburant. Moi, ça me dit ici. Hein. Ouais, moi aussi, ça me dit. Juste à ma gauche. Comme une famille. Juste là, l'auto de... C'est une dorée rare pour moi. Qu'est-ce non, mais moi, que je c'est sais... ce bordel. Il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. Je suis aussi sur l'autolock, mais je le vois pas. C'est que des mêmes ah, attends. Qui sortent. Ah, mais d'accord, c'était art, faire réapparaître le véhicule. Mais c'est débile. Ah oui, d'accord, bah ça y est. Ah non, c'est mon véhicule qui est réparé. Guys, reviens, on en a une aussi. Mais non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, hein. Ça va faire réapparaître le véhicule. Moi, j'ai fait réapparaître le truc, hein. Ouais, bah écoute, comme ça, on a qu'une bagnole, t'évites d'écraser les gens. Celui-là, du on coup, les, on les suit et on est bon. Tu l'as récupéré ou non? Ouais, ouais, c'est bon, je l'ai. Ok. Allez, moi, est-ce qu'il y a des sacs à vomi dans ta voiture? Faut juste scrabouiller les gens. Ah, derrière nous, derrière nous. Bon, par contre, monsieur Oups. Je me suis arrêté pour éviter. Derrière, il y en a plein. Ici, sur nous, sur nous, sur nous, il y en a plein. Sur nous, sur nous, sur nous. Nous, on s'occupe d'eux. Putain, mais avec les lags, c'est incontrôlable, c'est un truc de dingue. Mais tirez pas! Mais si, on j'ai détruit la bagnole, j'ai détruit la bagnole, moi, hein. C'est tout, moi. Attention, il y en a un sur nous. C'est une aile qui... sur nous, Carig. On en a deux sur nous. Deux sur nous. On va remplir à fond. Encore un peu de biocarburant. Ils sont derrière mon cul, Dodo. J'essaie de te les ramener. Pour toi, désolé. On en a plein autour de nous. La main sur cette puce, on décolle. Faut s'arracher. Je vous laisse aller récupérer les trucs. Je vais aller mettre la voiture de. Pour éviter de la faire casser. Et quoi, et on peut les buter maintenant? Tire. Voilà. Il y a des trucs et on collecte après. Le sang. La. Non, c'est pas par ici, donc c'est plutôt vers là où Yanel. Suivez mon sens d'orientation légendaire. Voilà. On va laisser le problème, hein. Là et on va aller chercher le truc. Dis donc. Comment vous osez critiquer ma capacité d'orienter? En plus, c'est pas là. C'est pas là. Il y a les boostiques, faites gaffe. Ah. Moi, je vous abandonne. Parce que je suis une méchante. Non, mais ouf, fait, ouf, ouf, ouf. On a abandonné. Il y a une voiture. Putain, il y a du poison. T'es où qui arrive? Ah oui, t'es là-bas. Attends, j'arrive. Attends, je peux pas monter. Pourquoi je peux pas? Voilà, je viens te sauver. Go, je suis bon. Devant. C'est bon, voilà. C'est bon, go. Vas-y, viens. Putain, comment t'es parti sur moi? Il t'a abandonné. J'hallucine, quoi. Pour monter. On va peut-être par l'autre côté, peut-être prendre le grand chemin, du coup. Oui, c'est bon. Nice. Allez, y'a plus qu'à aller au coin, là. Coup de lag. Attendez. C'était à gauche, hein. C'était à gauche, oups. Là-bas. Ah non, c'est pas je sais pas où tu vas, Nel, mais. Je sais pas, j'allais rejoindre où c'est Isra. Bah, ils sont pas vraiment au bon endroit, je crois. Ils sont paumés non, aussi. Si, ah si, putain. Si, non, non, si, c'est bon. Non, en fait, si, vas-y, continue. C'est moi qui dis de la merde. C'est bon. Non, c'est bon. Ouais, y'a pas que moi qui ai des problèmes de localisation. Non, reviens en arrière. Tu croyais que c'était plus près que ça? Je me pose des questions sur le chemin. À droite. Ouais, par là. Continue. À droite. Terrible. Et puis là, il faudrait essayer de remonter. Ouais, là, ici. Là, c'est ici. Faut rentrer dans la grotte, là. Là, retourne vers eux. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Là, ça passe. On peut monter, là, non? On est un peu loin, là. Non c'est, là où, là. c'est là où on est. Ah, on peut pas monter. Oh, mais moi, je voulais faire une petite escalade. Faut aller dans la grotte. Non, c'est une grotte, ici. Ah, mais merde, ça tourne dans un sens. Attends. Allez, shoot. Non, mais attends, il y en avait derrière, aussi. Qui m'a poussé? C'est Nel. C'est pas moi. Je suis pas une bourrine. Ouais. Hein, je suis une gentille fille. Bon. Mais il y a Oups qui m'a coincé avec sa voiture. Terrible. Ça casse la merde. Attention, il y en a encore derrière. Terrible. Merci l'esprit d'équipe. Il y a un coffre en dessous. Comment qu'on fait pour le récupérer là? Tac. Un coffre en dessous. Ah, il y a des caisses de trucs. Des caisses de billets. Hop. Ah oui, exact. Je les avais oubliés ceux-là. Tadam. Tadam. C'est un petit peu chiant par contre pour y aller. Pour la chasse est ouverte. Bon, et c'est quoi qui nous tire dessus là? Des frigos. Par là? Attends, je sais plus s'il y avait un truc par là. Papa,
Ah c'est bon, ça a été fait. Ah ok, ok, là il y a du monde partout. J'aime bien déclencher une guerre. Ouais, j'ai vu ça. Ah, il fait bobo le monsieur. Ah mais j'ai de la merde comme... Qu'est-ce que c'est que ce flingue? Attends. Pourquoi est-ce qu'il veut pas le recharger? Ah voilà. Il y a des mal grenades. Boum, 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 boum. Je l'adore. Pouf! Entrez dans le bouclier! Ah! Isdrakion, il a sorti le gros machin. Oh bah ouais, écoute. Et poum, la chevrotine! Oh le petit lag. Ah non! Il m'a mis un coup de latte, le sadique. Ah, attends, 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 je vais arriver. Non, t'inquiète, 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 j'ai le second souffle. Je suis une bourrine qui sait ce que je fais. La plupart du temps. Mais ok, moi j'ai plus de balles, je sais pas comment ça se fait qu'il veut pas tirer. Comment il veut pas. Pourquoi il veut pas recharger? Merde, j'ai raté. Ah, la chevrotine est short, peut-être. Pouf! Dans la tête, pardon. J'ai ramassé un truc pour Isdra. Ça va être bien, ça. Ah, je veux bien ça. Si c'est un flingue, je veux bien. C'est de équiper? Non, c'est un module, mais tu pourras l'utiliser plus tard. Il y a un moustique derrière, oh, qui nous a suivi. Là-bas, peut-être là-bas. Un bouclier qui pourra servir à quelqu'un, encore un truc pour vous. Tac. Il y a un bouclier, il y a un moustique derrière nous qui nous coupe. Dans la grotte, il est. Ah oui, là-bas. Ok, nickel. Un petit chauffe. C'est... une grenade ici, elle est meilleure que celle que j'ai. Vous avez dû le constater, Pandore n'est pas une planète foncièrement accueillante. Je suppose que ça s'est pas arrangé entre mon époque. J'ai récupéré la... De souvenirs, je sais plus si c'est ouvert. Vous avez pris le bazar là? Quel bazar? Moi je l'ai pris. Ok, donc c'est bon, tu l'as pris pour tout le monde. Non, c'est validé pour tout le monde. Et normalement, il y a un truc par là. Il y a des moustiques! T'appelles ça des moustiques? Des shorts. Bah ouais. Ah, ah non, il y a des moustiques aussi gros, j'exagère à peine. Voilà, là il y a un truc d'arme. J'ai vraiment une arme de merde. Ouais, pareil, moi j'ai un petit pistolet, du coup c'est un petit peu chiant. Il y a des flingues. Hein. Mais l'avantage des flingues en fait, c'est que t'as un chargeur conséquent. Contrairement aux autres armes au début. Attends, j'essaie de voir ce que j'ai dans l'inventaire. Comment ça va, l'inventaire est vide? What? Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais. Bon, avec le snipe, par contre, c'est nickel pour buter les ennemis de l'an. Oh, bah, du coup, là, il faut ramener le truc, je suppose. Ouais, il suffit de ramener le truc, ouais. Attends. Prendre ma voiture. Attends, parce que là, moi, j'ai la quête qui s'affiche pas, là. C'est quoi ce délire, là? Ah, moi, j'ai le point, mais j'ai pas le truc. À droite. Non, moi, j'ai. Attends. Ici, j'ai réutilisé, je sais pas ce que c'est. Ici, j'ai une borne où il est marqué réutilisé, mais je sais pas ce que ça donne. Ici peut-être non. Je suppose que ça s'est pas arrangé entre mon époque et la vôtre. Alors, si vous apercevez un truc, c'est ma clope depuis tout à l'heure, je me mets. OK. Et salut démon, comment vas-tu? Désolé pour prendre réponse. On est concentré. Attendez, moi j'ai activé un truc les gars ici en haut. Mais je sais pas ce que c'est. Non. Moi je vois un point qui nous ramène je sais pas trop où. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus. Bah, je le vois pas sur la grande carte en fait. Nickel, Chrome. Attends, je monte avec toi, mon petit oups. Enfin, si tu veux bien. On va aller voir en voiture, hein, directement. De toute façon, je dirais que. C'est derrière. Il suffit de regarder la quête. Derrière, d'accord. Votre taxi est avancé, monsieur. Ouais, prends la passerelle. Là. Ouais, mais y a, en fait, ça te dit rien. Merci, madame. Merci. Donc, il suffit de retourner au vaisseau, je pense. Let's go. Je pense aussi, là, nous, oh, il y a une voiture. Ah, gauche. Attends, arrête-toi. Trop tard. Droite. Trop tard, j'ai pris le saut. Les coups de latte que j'ai sorti. Ouais, non, parfois c'est bien. Ah, ouais, non, de toute façon, on aurait pas pu. Enfin, moi j'aurais pas pu le prendre en fait. Tac. Parce que sinon, ça aurait supprimé le. Ouais, c'est confirmé.
C'est confirmé, c'est le carburant. Ah non, faut reprendre le truc. C'est au véhicule, il faut reprendre le véhicule apparemment. Tu veux conduire ? Viens me voir. Attends, je suis pas dedans. Comment est-ce que je rentre pas dedans ? Ah, si je l'ai emmené là, le véhicule, c'est pour quelque chose. Il suffit de rentrer dedans. Voilà. Une seconde, je vais faire le plein. Cool, vas-y, fais le plein. Ah, tu peux sortir de la voiture. Je vais pouvoir montrer aux gars de la ville des trucs qu'ils voient que dans des documentaires animaliers. C'est rempli. Et plein de tripes dans le vaisseau. Ah, nouvelle pièce disponible. Qui est-ce qui a explosé ma voiture? What the fuck? Cinématique. Oui. Vous sentez que ça pue? Non, ça va. J'ai mis du déo. Faut écouter. C'est un cornet de frites, non? Oh, il y a un petit décalage au niveau des voix, non? C'est moi, ouais, là, sirène. Oui, c'est un parasite. Littéralement, le jour de notre naissance, notre père a dû le séparer de moi. Et sans moi, il serait même pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Je peux aspirer l'énergie de tout être vivant. Même toi, Faucon Ardent. Chasseur de l'arche légendaire, tueuse du destructeur. J'ai pris tous tes pouvoirs. Autant t'achever après ça. Tyreen. Soit. Ici la reine Tyreen, en direct pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Le meurtre que vous avez tous réclamé. La grande hérétique en personne, le Faucon Ardent. Ah, regardez qui s'est fait plumer. Souris. Hey, nos fidèles les plus fervents auront l'honneur de pouvoir achever la... C'est pas tout. Le chemin de la Grande Arche s'est révélé à nous. Prochain arrêt, Prométhée! Surtout partagez, likez et obéissez. T'en fais pas, Lilith. Toutes les légendes meurent un jour. T'as eu une belle vie? Je crois. C'est juste un truc qu'on dit. Je le pense pas vraiment. Bon, allez. Faut qu'on se tire d'ici. Je veux voir si Katagawa va tenir parole. Laisse les miettes au clébard. Eh bah salut. Merci pour la carte. Et pour tes pouvoirs, compte sur moi pour finir ce que t'as commencé. A plus, Faucon Ardent. Faudra penser à changer de nom. Il va falloir la sauver ou pas? On va tous les tuer. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh oui, hein. Allons-y. Ah que y en a marre. Attendez, je coupe juste mon fond, moi j'arrive. Hop. Chasseur de l'arche. Hop.
Voilà. J'arrive. J'arrive avec un véhicule pour l'enfoncer dans le tas. Au suivant. Ah, baston. Vous ne toucherez pas l'élite. Derrière vous, il y en a un petit. Des copines. Tout le monde est observé et absorbé par nous. Allez hop, venez sur l'ascenseur. On y va. Allez Nel. Ouais, je sais, ma voix, tu peux le faire chier. Je savais bien que les DDA nous laisseraient pas quitter Pandore. Étage lingerie féminine, s'il vous plaît. Eh ben, ils vont être servis. Il y a pas de porte là. On va s'écraser. Ah non. Ok. Chasseur de l'arche, aide-moi. Crame ta gueule, toi. Fanatique. Est-ce que tu veux qu'on t'aide à mourir ou est-ce que tu veux qu'on t'aide à éviter de mourir? Il y a un lutin là qui passe à droite là. Les balles qui passent au travers là, c'est cool. Vous ne voyez pas le lutin au trésor, les gens? De quoi? Le lutin au trésor là devant moi. Non, je le vois pas. Regarde là, ici là. Ah oui, là. Oh putain, con. Fais-moi voir tes yeux. Crève. Alors, c'est bon, il est mort. Bon, par contre, j'ai plus de vie. Faudra ouvrir son sac, mais à la fin. Ouais. Eh, t'es fait pas ta gueule, hein. Je pensais pourtant passer un bon moment. Comment je vois rien? Ouais, hop. Là-bas. On a, ils sont là-bas en face. La cuvère. C'est quoi là? Dans le bas. Tac. Ouh. Le brutal qui fait toujours mal. Oh, y'en a un ici. Attention. Ouais, j'ai pas vu le petit lutin devant nous là. Ouais, et merde hein. Agnus qui fait un petit mouvement des hanches, magnifique. Terrible. L'autre qui se baisse au moment où je tire, toi. Merde. Oh merde, y'a la tourelle. Je te... J'ai pas regardé les armes là. Y'a le petit fusil là qui m'intéresse, perso. Le petit fusil bleu là, celui-là. Pas toi, Nel. Allez, chasseur de. Et il y a un fusil à pompe, les gens. On va appeler ça épique. Mais il y a que toi qui le vois, non? Je sais pas. Non, normalement là, ça vient de. Où ça? Ah, c'est partagé. Le fusil, là, personne le voit là. Ouh, le petit fusil à pompe, je le prends si personne le. Bah, quel fusil à pompe devant toi? Hop. Ah, non, moi, tu vois, devant toi, je le voyais pas, le fusil à pompe. Donc, ça veut dire que les loot ici ils sont aussi. Lui, je vais le garder. Oh, on va faire remonter des gens, ça va être beau. Lui, on s'en fout. Ça va être malin. Ouh, un bouclier. Ouh, nice. Ouais, donc apparemment, les loot sont bel et bien. Oh, c'est quoi le truc bleu qui a été lâché là? Pour toi, il sera ça. Quoi ça? Là, que Carrie vient de jeter là. Ah, tu le vois peut-être pas. Attends, je vais le jeter. Je le mets là. Non, mais c'est moins bon que le mien, hein. Ah mais c'est un mode. De classe. Bah non, le mode, ouais, je prends ça. Inventaire plein. Un trésor. Attends, tu te fous de ma gueule, inventaire plein. Attends. Mais est-ce que vous pouvez éviter de jeter des trucs sur mon fusil à pompe depuis tout à l'heure? Oui, y a pas de problème, tiens, en v'là d'autres. Ah mais putain, mais vous êtes trop lourd. Ah non, attendez, j'ai perdu mon mode. Bah, il est qui était meilleur? Oh là, je sais même plus là où je saute. Je le vois. C'est lui. C'est lui. Là où je veux lui. Il y a un mode. Oui, d'accord, mais je le vois pas. Enfer. En fait, pourquoi est-ce que je suis aussi loin? En fait, je vois pas les fenêtres en entier, elles sont trop près. Putain, je. Attends, bouge pas, ils rentrent pas, je vais te faire un échange. Ah. Oh, c'était d'un compliqué. D'accepter l'échange. Oh mon dieu, ça lag. Terrible. Donc, appuie sur E, sur moi, en me regardant. Tap, tap, tap. Tac, où est-ce qu'il est? Hein? Bah, moi, j'ai pas le truc d'échange, là. Bah de... Ah mais il est pas intuitif leur truc hein, sérieusement. Appuie sur tab. Ah mais j'ai pas encore le niveau. Ah non, moi ça marque là oui. Ah voilà. Pignon de pomme. Alors, il est où le mode? Du coup, je sais plus. Il doit être par là ou à côté là-bas. Tac. Appuie sur échanger.
Yo, mon pompe. Nerfs. Oh, ça a pas marché ici. Si, ça a marché. Non, on va rester sur celui-là du coup. Y'a personne qu'on veut du snipe là. Attends, bon, je suis en train de regarder un petit peu les trucs que j'ai chopé parce que. Il est corrosif irradiant. Mais du coup, je sais pas comment j'utilise le mode. Attends. C'est plus tard en fait, ça se débloque plus tard. Ah oui, niveau 15. Ok. Non, puis même sans compter le niveau 15, il faut le débloquer, c'est une quête qui le débloque. Y'a rien pour vendre dans le coin en fait. Parce que... Oups, y'a un mode. Y'a personne qui le voit le fusil à pompe qui est devant moi là. Là, là. C'est quoi? Il y a un mode pour toi là. Le fusil à pompe, c'est un fusil snipe, c'est de la merde. Le blanc, celui-là que je viens de prendre. Non, moi je vois rien. Non, non, un mode, oups. Non, non, le petit truc rond vert là. Où ça, il drop. Ici, droit devant moi, là c'est pour toi, c'est clairement pour toi. Le truc rond ici. Non, moi c'est un booster de capacité ça. Non, non, il y en a, je te jure que j'ai un. Il y a un mode pour toi, ça s'appelle Force des Bêtes. Rapid Response Overdrive. Mais sinon tu le prends et tu le jettes. Prends-le et fais un échange, ça sera mieux parce que... Mais mon ouais, regarde, c'est celui, c'est celui que je soulève, tu le vois ou pas? Attends. Quand je le... Non mais faites un échange, ce sera plus simple qu'on oui, mais traîne pas ça. Oui mais moi c'est vide, moi je suis plein quoi. Attends, je peux jeter un truc. Bah jette un truc et puis tu le récupères après, hein, pire. Ouais mais c'est chiant, attends. Je l'ai, je pense. Deux ans plus tard. Tu l'as ? Je suis pas sûr. C'était du coup rapide réponse overdrive. Ouais, c'est ça. Ouais, il est tombé tout en bas, madame ? Ah non, t'es là. Par contre, c'est vrai que ouais, il va falloir qu'on essaie d'augmenter l'inventaire. Oui, mais ça, ce sera plus tard, c'est quand on aura rejoint la ville. Est-ce qu'il y a un fusil bleu ? Bon, allez, vous prenez les trucs, on y va, s'il vous plaît. Oh, mais c'est bon, hein, j'ai fait le tour, il y a rien qui m'intéresse donc. Ouais, mais pour le coup, je trouve que les loot, c'est vachement chiant quoi. Il faut vraiment un truc pour vendre. Allez, let's go. Tac. On arrive, Lilith, c'est bon. Regarde ce que ces connards ont fait à Lilith. Faut que tu les tues. Tu as fait boum. Dans la lumière. Viens te battre, sac à viande. On dirait que je joue à je sais pas quoi moi avec mes boules là. C'était un peu tendancieux ce que tu viens de dire. Ouais. C'est ce que tu veux avec tes boules hein. Par contre, ce qu'il y a de chiant sur la minimap, c'est que tu sais pas exactement quelle flèche correspond à toi. Tu aurais peut-être dû changer au moins la couleur de ta flèche. Bah après, t'es toujours au centre de la map, non? Ouais, mais là on était tous les quatre l'un à côté de l'autre, donc va définir la tienne. Tu veux dire par rapport à l'orientation que t'as sur la map? Ouais, ouais. Tac. Popolo. Ok. Là, par contre, y'a un truc qui me... Merde, on se touche. Dedans. Yes. Oh, il a drop un short truc. Dégâts. Allez, on enchaîne. 15, 16, 2. Ça c'est quoi? 31. Ouais. Allez, meilleur. C'est bon. Allez. Parfait. Merci. Chasseur de l'arche. Parce qu'on a un bon équilibre au niveau des armes. Ça devrait le faire pour le reste. On retourne au vaisseau. Go vaisseau. Je te laisse garder cette piste d'astronave, trésor. Attends, c'est où? On peut le compasser en dessous? Ah oui, d'accord. Parler. Oh, c'est la merde, mais on débriefera plus tard. Ah non, là par contre, ça fait peut-être un petit peu de trop. Et on trouvera pas plus sûr. Un peu de trop. J'ai perdu toutes mes compétences du coup. Chasseur de l'arc dans le vaisseau. C'est triste. Comment ça, t'as perdu tes comptes? J'ai changé d'arme, mais ça fait un truc bizarre. Ah bah le vaisseau il est jusqu'à nous, il vient de l'autre côté derrière. Ah mais non, d'accord, c'est là. Pardon, j'ai fait la merde. On dirait qu'elle en chie, comment... La madame? Ah ouais. Ouais, Lilith. Tu la vois marcher? Faut monter, là. Ah oui, là, ok. Là. On va faire ça.
pour augmenter la rue. Mamzelle, tu serais pas en PLS, tiens, il y a un coffre là. Hop. On dirait que t'as mal au derrière là. Il y a des petits coffres, des petites En même caisses. Temps, elle s'est fait un temps soit peu défoncer quand. Bah en fait, c'est pas que j'avais défoncé, c'est surtout qu'elle s'est fait prendre tous ses pouvoirs du coup. Elle a plus de pouvoir et puis. Bah, pas seulement, elle s'est aussi fait défoncer. Elle s'est fait dans la gueule quoi. Tu rigoles, c'est peut-être un peu quand même. Ils l'ont sabaté au sol et tout. Oh, il est joli, regarde des cheveux chauds. Il est un peu gros quand même. Je le veux. Bah, Tatiane, je pense que c'est pour nous d'ailleurs. En fait, catch ride. Alors là, je vous conseille d'écouter comme il faut et on va rigoler encore. Au revoir, petit vaisseau. Ah non, c'est au revoir nous là. C'est au revoir planète plutôt. Au revoir, petite planète. Le petit truc mûche. La planète des trucs mûches, c'est parfait. C'est un concept, écoute. C'est... Bah oui. Elle n'a plus de tatouage. On y reviendra normalement. N'est plus une vraie sirène. Sinon, ouais, j'en sais rien, je suis pas encore là, mais vu qu'on n'a pas encore tout fait sur la planète, je pense qu'on y reviendra. Et les récupérer. Ouais, je suis d'accord. Le robot n'a pas tort. Est-ce qu'on peut vraiment affronter les Calypso dans notre état présent? Mais oui, c'est dans nos cordes, ça. Le pouvoir de l'arche et on est les seuls à pouvoir l'arrêter. On doit la trouver avant elle. Je suis peut-être plus une sirène, mais je reste un pillard, comme nous tous. Je suis avec toi, Lilith. Compte sur moi. Et quand je dis ça, je le pense vraiment. C'est exactement ce que je disais. Alors va pour la mort. Et puis, je ne vais pas rater une occasion d'étudier une nouvelle arche. Parfait. Mais oui, de toute façon, la mort, c'est tellement surfait, franchement. On l'a déjà affronté 3 fois au moins depuis le début, n'est-ce pas? Affronter ou oui, embrasser. Ça porte malheur de quitter l'orbite dans un vaisseau qui a pas de nom. Il en a déjà un. Sanctuary. Ah ok, d'accord, maintenant Sanctuary en fait c'est un vaisseau, c'est plus une ville. Bah après, Sanctuary c'était de... déjà un vaisseau, hein, si tu te rappelles du 2. Ouais, hein. Ils s'envolent et puis c'est ouais, bon, c'était plus une ville quand même quoi. C'est la suite de l'histoire en fait. Tu devrais refaire le 2. Parce que c'est expliqué que c'est un vaisseau justement, donc c'est pas une ville à l'origine, c'est vraiment un vaisseau. On saute. Et les copains, venez. Regardez cette belle planète avec un gros truc violet dessus. Je suis tombé. Ah, au revoir. Dès que vous êtes ravis. Mais t'as vu, c'est joli. Hein. C'est ouais, joli c'est quand joli. Même. J'aime beaucoup. Comment qu'on fait pour initialiser les points de compétence? Franchement, cette vue est magnifique. Je vais ouvrir la soute, attention. Alors, il faut. En fait, on peut pas encore. Non, mais il faut juste parler encore. À la. Taïrine n'a pas tort. Ouais. Taïrine est plus dangereuse que jamais. Elle a une armée, la carte et. Les pouvoirs de Sirène. Va rigoler. On va avoir besoin de toute l'aide possible. Clapra, qu'est-ce qu'on a comme info sur Prométhée? Ah, Prométhée. Une métropole en vue. Résidence de la société Atlas. C'est la planète la plus avancée technologiquement de ce côté-ci de la galaxie. Atlas. Ça te donne envie d'aller voir. On va devoir les convaincre de nous aider à trouver l'arche avant les. Faisons ça. Recrue, branche la puce d'astronave qu'on puisse mettre le cap sur Prométhée. C'est moi la recrue? What? Bah c'est nous tous, la recrue. Très bien. Allez. Non mais je sais pas, elle me regardait, je l'ai pris pour moi. Accroche-moi. Oh regardez cette cicatrice. Installer un moteur à implosion. C'est dégueulasse. Ça veut dire qu'il faut être vachement prudent avec. Une seule petite erreur et ça peut mettre un terme rapide à l'aventure. Welcome home. Nice. Claptrap, non! Claptrap, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'as fait? Comme d'hab. C'est normal, le bordel. Comme ça? Eh, y'a un trou! On est dans la merde! Ouais, je vole! Je vole! C'est la merde, ça! Regardez Claptrap, regardez! Regardez! Ah, il va boucher le trou! Écoutez! C'est bizarre, je vois plus la paille qu'on avait dans la coque! C'est parce que la dernière chose qui sépare ce vaisseau de l'espace. C'est mon boule! Mon cul a sauvé tout mon cul! Bravo Claptrap! Comment faire une rustine version technologique? Ouais. Au moins là il nous fera pas chier, écoutez!
Ellie, ça va prendre le temps. Avec ses petits bras là, il essaie encore de. Ouais, énorme. Mon cul a sauvé tous vos culs. Nous raconterons des histoires sur son cul. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Oh oui, c'est ouvert. Allez, on va visiter. Les gars, mon cul lance trop. Il n'y a pas qu'à serrer. Attendez, les gars. Il y a des coffres. Ouais, on peut fouiller le vaisseau. Il y a des casiers. Il y a des casiers, ouvrez. Il y a son gargoyle, c'est notre vaisseau. Il faut piller son tuerie. Ah, c'est le docteur. Entrez, oui, entrez. Il fait froid. Il fait froid ici. Suivez le son clinique de ma voix. Vous êtes où? Vous êtes... On est chez le docteur. Ne vous en faites pas pour moi, je vais bien. Elle est à l'intérieur. Le système de contrôle thermique a rencontré un problème pendant la Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle a fait une Man versus Wild. Il est à l'intérieur. Poussez, madame. Poussez, madame. C'est un truc dégueulasse. Excellent, elle est à l'intérieur. Elle est moche, elle. Excellent. Ça me rappelle mon premier jour d'école. Allez, on va taper ça. Oh, regardez, elle sort, elle sort. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est horrible. Sympathique. Ah bah moi, elle a bien chaud là. C'est étonnamment confortable. Comme un sac de couchage en viande, même s'il me semble visqueux. Ah, sympathique. D'avoir des dans mon labo. Vous devriez aller voir si quelqu'un d'autre a besoin d'aide. Je vous recontacterai si j'ai besoin de faire tisser un autre de mes appareils. Et si vous voulez vendre, il y a un bazar ici. Hein. Moi, je veux fesser bon. ces appareils. Alors, j'ai peut-être... Il y en a qui mangent ici, bon appétit surtout. Ouais, c'est ça. Merde, j'ai acheté ou j'ai vendu? J'ai acheté. Ouais, j'ai vendu. Ah, ça, je garde. Ça. Ça, je sais plus. Faut que je regarde. Ça, je vais prendre. Et on va toute la journée. Oh, tête de sirène. J'ai débloqué une nouvelle tête. Que je garde. Ça, mais moi aussi, mais je sais pas comment on la change donc. Bah, il faut que t'ailles au truc de personnalisation, mais je sais pas où il est. On va le garder. Ouais, non, j'ai pas vu non plus. C'est quoi ça? Tu as dit. Bon, nous avons perdu une sirène, mais récupérer. Il y a un truc sur ce vaisseau, si je le trouve, il faut que je vous fasse une explication ligée. C'est important. Parce que c'est lié à mon boulot et je trouve que c'est quelque chose à raconter. Ah. Qui c'est vraiment intéressante. Bah il faut que je le trouve, je sais pas. Il est sur ce vaisseau, ça c'est sûr. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Est-ce que tu saurais expliquer un petit peu Oui, parce que si jamais on à quoi ça ressemble. C'est, normalement c'est comme une arcade, c'est une borne. Une borne. Une borne. Venez par ici. On est tous par là, on va faire l'émission puis je pense qu'on va le trouver. Il faudra qu'on explore, mais. Je suis pas où t'es, attends. Moi je suis dans l'étage inférieur. Ouais, de toute façon, il faut qu'on. Avant d'avoir accès à tout le vaisseau, en fait, il faut terminer les quêtes. Ah merde, c'est peut-être pour ça alors, c'est pas. Attendez, moi j'ai trouvé un type. C'est pas la bande de montage, non, c'est un truc qui est bien plus poussé que ça. Les meilleures choses de la vie sont. Vraiment, je vous l'explique parce que je trouve que c'est une très belle action qu'ils ont fait et. Il y a un incendie en dessous, apparemment. C'est important d'expliquer pour ceux qui joueront en Borderlands. Oui, non, on n'a pas encore accès. Bon, vous. Ah, ici, attends, il y a des flingues. Attends. Faites-nous sortir! On est coincés! Ce taré nous a enfermés! Ma vessie va exploser! Il y a des urgences, apparemment. Ces portes devraient fonctionner. Quelqu'un a enfermé ces pauvres gens avant le décollage. Fais-les sortir, chasseurs de l'arche! Faut que j'arrive à les trouver. Oh. Ah bah je pouvais pas tirer dessus moi, c'est quoi ça? Merci. On se perd un petit peu quand même. De tir brûle toujours. Encore une belle occasion à saisir. Hop, hop, hop. Tu sais où me trouver. Bien joué. Merci. Attendez, je vais passer comment là-bas? On est descendu. Ça c'est le stand de tir, ok. Je te remercie du coup de main, chasseur de l'arche. Mais t'attends pas à une promo. Tac, tac, tac. Oh, il est ouf. Faut que je trouve cette borne. Faut vraiment que je vous explique. Ah, ici, c'est l'amélioration de vos chargeurs d'armes. Oh, nice. Ça, qui est compagnie. Oh, ça, c'est les coffres d'or. Les clés dorées. Oui. Il y a le même système. C'est un plaisir
de faire affaire avec toi, chasseur de l'arche. C'est pas correct, ça. Des meilleurs stockages disponibles sur le marché. Ah, okay. Par contre, ça coûtait un petit peu cher pour le moment. On n'a pas les masses. Bah, c'est 1000 balles le premier, et puis après. Après, c'est crescendo. Tac. C'est quoi le butin oublié? C'est des trucs que t'as pas ramassé. Ah bon? Ici, la machine à butin oublié. Parfait. Et maintenant, équipe-toi. Je sais pas aller où. Attends, je suis côté. Parfait. On monte un petit peu tout ça. Ah ouais, nice. Et la machine pour respect, elle est là. Tiens, un canard en plastique. La machine à respect, elle est là. Ah, nice. Réinitialisation. Allez, on va libérer les méchants, là. On est sauvés. On est sauvé. Ah, là on entre chez Oups ici. Pourquoi chez Oups? Dodo, reviens. C'est quoi ça? Et où? Regarde ma tête. Regarde ma tête. On a tous la même. Là ici c'est chez toi Oups. Ah, c'est une machine à sous. Non, c'est pas une machine à sous ça, c'est une machine à butin que t'as pas ramassé. Ah, c'est ça. D'accord. Ici il y a un coffre pour stocker les objets. Ici c'est chez Nel. Quoi? Où ça? C'est chez moi ici? Oui, c'est toi. Hey, c'est cosy! Ok, j'ai trouvé chez moi. Là, ouais, c'est chez ça toi, vous dit, on fait une petite soirée pyjama là? Et là, c'est chez moi. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît? Tu vois, Bah, moi, j'ai la moitié de mon ours dans la chambre. La sirène, c'est joli. Hein? Oh, il y a la télé, il y a la fenêtre, il y a un petit bonsaï. Oh, je suis fan. Donc au premier coup d'œil, tu vois, chez Nelim, c'est facile à reconnaître, t'as la lumière violette et c'est très propre, c'est très beau, c'est très bien rangé, voilà. Chez Oups, bon, dégage de là, ton espèce de connard d'abruti, là. Mais, hey, qu'est-ce que là? Mais on est bloqué dans la chambre. Ah, ok, c'est bon. Putain, mais qu'il était relou, celui-là. Ça, par contre, ils ont intérêt de faire quelque chose rapidement parce que c'est relou quand ils s'arrêtent comme ça à l'entrée. Ouais. Bah, ça donne envie de lui faire. Là, tu vois, chez Oups, c'est grave le bordel. Il y a des papiers par terre, c'est n'importe quoi, avec il y a une litière là. La litière. Regarde, pour dormir, il a même la compagnie des traces de son. C'est crado, hein. Ah, c'est très crado chez lui, mon dieu. Dégueulasse. Chez Isdra, c'est pas beaucoup plus mieux, hein, parce que comment bah, te si, dire. Attends, c'est rangé. Ouais, l'huile de moteur par terre, c'est vrai que c'est rangé, ouais. Bah, c'est rangé à côté du bidon, si tu veux. C'est très technique, quoi. Et chez moi, bah, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas non plus la classe, hein. Il y a encore du bordel. Ah, c'est un peu le bordel, j'avoue. Eh, honnêtement, ma chambre, je la préfère. Hein. Par contre, vous avez vu le tableau d'armes? Oh, il est stylé. C'est tes armes à toi? Ouais. C'est des armes que tu peux mettre, en fait, que tu te sers pas, que tu vas poser. Et j'ai déjà eu une légendaire. Celle-là, elle est légendaire. Ouais, j'ai vu. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Très important à dire. De quoi? Et dis, t'as aussi une grenade dans le légendaire. Ah oui, oui. Tac. Donc vous l'avez tous, hein, le tableau d'armes. Hein. Ouais, j'ai vu. Alors, après, ouais. C'est pareil, vous devez voir aussi sur vos murs des crochets. Sur les crochets, vous pouvez. Tiens, comment ça se fait qu'ils y sont pas, mes machins là? Là. Ouais, j'en vois un ici, mode crochet. Ouais, là, c'est une décoration. Là. Un truc ici, c'est quoi? Et crochet, je vois pas. Là. Ah, c'est verrouillé. Ok. Attendez. Celui-là. Ah oui, ok, j'ai vu. Placer une décoration. Ok. En même temps, sur un crochet comme ça, je vois pas ce que tu peux poser comme décoration à part une tête. Donc, si vous voulez voir des décorations plutôt cool, j'en ai chopé quelques-unes. Faut que je fasse un truc. Moi. Vous attendre. Un truc mûche. Combien j'ai dessous moi? 8000 balles. J'ai que 130 en. Ah, il y a une machine à soupe pour choper des armes aussi, là j'ai vu. Je vais peut-être me respecter aussi moi. Le bouclier en fait, j'aime vraiment pas. Tac. Elle est où le truc de respect d'ailleurs? Je recherche. Juste ici. Tu es où? Ah oui, tu es là-bas.
Bon, ça c'est bon. Là, trop ok, ça va le faire. C'est par... Je sais plus. C'est bon. Ok. Merci pour vous. Je suis perdu. Ah, là-bas. Ah oui, moi je me bombe complètement dans ce vaisseau. Attends. Okay, après, il va falloir qu'on prenne le temps de bien retenir des trucs. Quoi. Bah oui, ouais. Oui, c'est une question d'habitude, c'est tout. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Hein. Utiliser une clé dorée. Ouah, il y a un coffre géant ici. Quelques gratinines. Elle est moins classe quand même cette tête, mais on va la mettre. Là, on commence à mettre des décorations d'armes. Ok, ça. Ok. Ouais, alors, moi aussi, je me suis changé. Non, d'abord, refaire masquer, j'expliquerai après. Eh ben, ready pour la suite alors. Ouais, moi aussi. Ça fait quoi ça? On va aller parler à Ellie. Comment qu'on descend? J'ai placé deux armes moi dans ma chambre déjà. Les compétences d'armes. Ouais, de toute façon, tu peux vite les enlever après parce que c'est pas des armes qui sont folles en général. Non, mais il y a une légendaire déjà dedans. J'allais choper un pistolet légendaire. Comment qu'on descend? Ah là. Parfait. Mais c'est pas là. Elle est où? Elle est où la madame? Allô, je suis perdu. Comment qu'on descend? On va tester celle-là. Okay. J'ai trouvé un moyen de descendre, mais a priori c'était pas le bon. Attends, et Ellie c'est. Attends, il faut que je. Ellie elle est en dessous, mais la porte que j'ai trouvée était fermée. Voilà. Du coup, je vois pas comment. Il y en a un autre là-bas, je crois. Non, c'est un escalier pour monter. Ah, non, mais il y avait des escaliers. Attends. Ouais, j'en ai trouvé des escaliers, mais c'est fermé. Non. À moins que ce soit. Bah non, ça revient ici. Non, mais c'est bien cette porte. Ici, ici, ça descend. Ok, moi j'ai trouvé, ça descend. Ok, j'ai réussi, Nel. Ok, j'ai Ellie. Bonjour, grand archiviste. Ouais, il faut que je t'en trouve. Un accélérateur anthropique, c'est rien. Il faut passer par. Tu vois les machines à vendre là? Là où il y a la machine à skin. Ouais. Non, t'es passé devant, je pense. Au-dessus. À droite. Ah oui, là. Tout au nord. Tout au nord. Oui. Tout au nord. Merci, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai trouvé. Ça, c'est bien. Yo, ouais, t'es pas humilié. Waouh, wow, t'es mignon. Ah, il fait bobo dans la caisse. Ouais, faut pas tenir, madame. Ouvrir la porte de la soupe, vas-y. On a perdu tout notre matos. On peut dire vas-y au grappin, au jetpack et à toutes les armes pour gaucher. Enfin bon, c'est la vie. Hop. Mais si Earl s'est pas fait aspirer dans les profondeurs de l'espace, il lui restera peut-être un accélérateur anthropique. Bon, faut encore descendre. C'est bon, j'y suis. Earl, réveille ton vieux cul. Le vaisseau est mort. Oh, le coffre ici. Qu'est-ce que tu veux? Un accélérateur anthropique. J'ai pas le temps. Casse-toi. Donne-nous l'accélérateur anthropique. Ouais, c'est pas mal. Le petit truc quand même. Et puis d'ailleurs, c'est quoi ton nom? Bon. La pièce, on est bien là. Torrent 8, façon bretzel. C'est vrai. Trempe le cul dans la mousse au chocolat. Oh. Un poil agressif là, madame. Ouais. Si t'avais un truc qui m'intéresse, mais c'est pas le cas. Alors, oui, vous êtes en bas, je suis con. Earl, c'est vraiment pas le moment, l'ancêtre. Me cherche pas. T'as que dalle. Pas de pièce. Earl, espèce de. Frapper à la porte de la là-dedans. Ce vieux cul s'est barricadé. Si t'avais plus d'iridium, il serait peut-être d'accord pour un échange. Va voir ma mère dans son bar. Elle garde toujours un peu. Il a pas l'air mal en plus. Tu vas voir ça. Le bar. Oh, on va se bourrer la gueule. Trouver le. Ouais, ok. Ah ouais, non, mais vu ce que ça coûte, non, il peut rester dedans en fait. Oula. Ah, quelqu'un a trouvé. Bonjour madame. C'est sa mère, c'est bizarre. Bonjour madame. Au-delà du sous-entendu. Comment une jolie fille comme ça a pu faire une mocheté pareille? Dis juste bonjour madame. Bonjour madame. Mais normalement, c'est pas ça qui est là-dedans. Attends, je comprends plus. Attends, putain, vous êtes en dessous. Oh, je suis perdu, moi, je suis perdu, je sais pas où vous êtes. Tes phéromones sont surpuissantes, carrément. Où est-ce que t'es, Isdra? Je suis là. Viens, suis-moi. Ah, je pense que ouais. Ah, c'était de l'autre côté. On est dans la merde, jusqu'au coude. On a besoin d'iridium pour réparer le vaisseau. T'as essayé mes machines? Tu toucheras peut-être le jackpot.
Cool. Yeah. Attends. C'est par là. Non, c'est pas par là. Ah putain, tu vois, même moi je me perds encore, hein. Là. Non, mais ça me rassure. 310 aussi, NL, t'as payé ou... là, ouais, 310. Là. J'ai un mode pour toi, Zane. Évitez d'utiliser la machine, hein. Ah. Vous allez perdre votre argent. Voilà. Ok. Reviens quand normalement, elle vous dit d'en utiliser une de machine. Alors, de surtout, la machine à ne pas utiliser, c'est celle-là. Bon, laquelle? C'est l'iridium. Ouais. Ok. Parce que l'iridium, vous pouvez acheter des. Comment t'appelles ça? Des. Bah, des apparemment, on a chopé ce qu'il fallait faire. On a fait un achat chez Heure. Si je crois que c'est pour Zane, t'es où, Kerrigan? Je sais pas si ça t'intéresse. De quoi? Fatal Error. Vous avez vu la borne ici, Fatal Error? C'est pas ça que... Hop. Je vais t'échanger un petit truc. Tac. Je sais pas si ça t'intéresse. Oh, les têtes, elles sont trop jolies! Je ne sais pas. On verra bien. La tête de Shaman, elle est trop belle! Voilà, parfait. Hop! Hop. D'ailleurs, je sais même plus si j'avais pas des trucs pour toi. Bon, c'est pas grave, écoute. Non, ouais, non, je t'avais déjà tout donné. Du coup, je peux rien acheter. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est quoi celui-là? Mais les générales, on verra ça plus tard. Et celui-là, je pense que ça peut être cool. Ça peut être cool. On verra ça. Ça, on fera que je fasse un petit peu plus. Bah, je crois que je l'ai pas vu, donc le truc que je vais vous montrer, donc peut-être qu'ils l'ont. Tout simplement. Les thèmes éco, pendentif. Tu vas où, Nel? Je fouillais pour essayer de trouver le truc que je vais vous montrer, mais. On est chez Earl, là. Ah, je suis déçu. Faudrait que je fasse des recherches pour voir s'ils l'ont implanté ou pas avant d'en parler. Oh, il y a des trucs, je pense qu'il va falloir que je me prenne. Moi, par exemple, tu peux aussi acheter des décorations, apparemment. Ok. Est-ce bon, que t'as vu ta fabuleuse tête, monsieur Hoop? Tu parles de laquelle? Parce qu'il y en a deux qui m'ont tapé dans l'œil. Il y a la première. Et sinon, c'est la troisième. À 180 chez Man. Avec les grosses cornes et tout ça dessus. C'est de celle-ci que tu parlais? Non, c'est la tête de mort, tout simplement. C'est... La tête de mort avec un. Comment. Un espèce de. À haute forme de cache-œil. De cache-œil. Pas encore vu. Ouf. Je peux pas descendre jusqu'en bas, apparemment. Mais attends, ouais, on peut le skin. Ah ouais, il est aussi stylé. On peut rien choper, quoi, c'est trop et cher. Et la truc increvable. Oh, et moi, j'ai mis la chamane. Rêve de néon, elle est géniale. Ouais. Celle-là, ouais, je la prendrais aussi, la néon. En skin, tu de 270 balles, ouais. Moi, la tête au niveau de Zane, elles sont pas super super en fait. Il y a celle-là, la usée qui est pas mal. Anti-héros. Anti-héros, elle est pas mal aussi. Il va falloir de l'iridium pour ça. LOL. Hard buff. La tronche. Il y a aussi des emotes. Du coup, il fallait faire quoi? Il faut récupérer l'accélérateur en public, ok? Faut faire un achat en fait, mais j'ai skillé le truc moi. Ah, c'est bon, y'a pas besoin en fait. Fallait juste lui parler. J'ai quitté et ça nous a validé. Bah, j'ai ramassé le... Quelqu'un a dû acheter parce qu'il faut acheter quelque chose. Il faut acheter un truc donc. Et si vous voulez acheter un truc qui coûte pas cher et qui est donné comme ça, tu vas dans décoration et tout en bas t'en as un qui vaut un iridium. Ouais, c'est le 3 de Borderlands. C'est ça. Ah bah ça tu vois je vais le prendre, j'ai les moyens, hop. Merci pour l'iridium. Et c'est ça que t'accroches dans ta chambre alors? Ouais. Là où il y a les crochets, tu peux installer l'accélérateur anthropique. Et d'abord je passe par ma chambre. Pardon. Parce que d'abord le stylisme de la chambre avant tout. Ton taudis tu veux dire? Non. Ouais son taudis plutôt. Ne cherchez pas, y'a que moi qui ai une bonne chambre. C'est ça. Ouais. Y'a que la sirène qui a une belle chambre. Tac. Bah moi entre les papiers par terre et tout le Bataclan voilà. Isdra avec aucun commentaire pour exactement hein. Aucun commentaire sur ma chambre, elle est très très bien. Ma chambre est parfaite. J'aime beaucoup ce vaisseau en vrai, hein, il est très classe. Très très classe. Ouais. Allez, moi je sais pas quand est-ce qu'on pourra les mettre. Sur le pont tout le monde, sur le pont.
Si je veux allons pas, voir si Claptrap avec le cul dans l'espace. Ah. On est parti. Ah, non mais par contre le vaisseau est très classe quoi, ils ont dû se casser la tête pour faire Le plan. C'est tout droit non? Tu veux... Vous voulez remonter où? Ah oui, retourner sur le pont. Tu me suis, oups. Ah t'es juste devant moi. C'est pas ici hein. Et là t'as l'escalier qui monte. Non c'est ici, c'est ici. C'est là, c'est là. Ah, pour descendre ça va, mais pour remonter... Ok, je suis déçu, mon truc il n'existe pas. Non, voilà, c'est ça. On y est. Bah après on a peut-être pas encore tout débloqué, Nel. Hein. Hey, y'a une pub. Il a pas l'air con, Claptrap. Attends, y'a une pub. Ouais, moi je danse. Oh, elle se fait bolos en live. Ah, le fou pouvoir bon a été plumé. La traduction. On peut penser ce qu'on veut de ces gens, mais leurs vidéos sont vachement bien produites. On a du pain sur la planche. Chasseur de l'arche, c'est le moment de partir. Pour de bon cette fois. Ouais, vas-y. Go. Non. C'est moi qui pilote. C'est moi qui pilote. Vas-y, pilote si tu veux. Oh, regardez la planète qui s'éloigne. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Allez. Vous êtes sûr que le pare-brise il va tenir comme ça? Je sais pas. Je crois qu'il y a des trucs bizarres. Je croyais que c'était une planète d'Atlas. Il y a un truc bizarre, Lilith. Il y a des punchlines dans ce jeu, mais magnifique. Chasseur de l'arche, par ici. J'ai très peur de tomber dans le vide. Je sais pas vous, mais quand je suis contre la fenêtre. Oh non, moi pas. On doit pas j'ai un petit sur. C'est au contraire le genre de vision que j'adore, ça. Bah, c'est beau si tu veux, mais moi c'est oui, commandant. Bizarre que. Nous formons une grande meute. Tiens, je peux ouvrir la fenêtre, Nel, je le fais. Il faut dire que quand je suis face au vide, j'ai plus envie de sauter que de rester, tu vois, c'est. Ah, ça t'attire. C'est compliqué. Je capte c'est ça. Signal d'Atlas. Moi j'ai qu'une envie, c'est de grimper dans un avion et de sauter en parachute. Hein. Attends, bah, cool. C'est un de mes rêves. Hein. Je pense que je m'éclaterai le dos vu l'état de mon dos actuel, mais Osef, si un jour j'ai l'occasion de le faire. Ah bah c'est ta l'occasion, mais clairement. On a tout à gagner à avoir l'aide d'Atlas pour trouver cette arche. Pareil, il y a un truc que j'ai jamais fait de ma vie que je voudrais bien, c'est le grand 8. Ou au moins ils nous laisseront chercher sans nous tuer. Mais les giga grand 8, pas les machins, pas les petits machins de fête foraine à Doron, quoi. Vraiment le grand 8 à grande vitesse, quoi. Ah oui, ouais. Je suis déjà sur le coup, Lilith. Chasseur de l'arche, viens me voir dans la soute quand il faut. Encore dans la soute. Oh, encore. Ah, mais elle peut pas nous dire ses mots d'amour avant. Vous avez pas envie de mettre la soute dans le pont, sur le pont la prochaine fois, ce sera plus facile. Non, moi je vais aller mettre le souk dans la soute par contre. Oh, je ne sais plus comment redescendre. T'inquiète, t'as juste à suivre. Par contre, vous êtes gouré d'endroits. Ah bah voilà, d'accord. Bah non, là, ensuite, Kerrigan, c'est le principal. Non, c'est bon avec moi, j'y suis bon. Non, ouais, on est bon. Vous êtes passé par où? Ah ouais, d'accord, on vous était... êtes passé par le côté. Ah, d'accord. On était les premiers. D'accord. Ok, donc, j'ai collé une unité de voyage éclair sur notre module d'atterrissage. Une fois d'accord. À la surface, elle va se connecter au réseau local et tu pourras revenir quand tu veux. Attention. Ce sera tout sauf confortable, digne de confiance. Yes! Du saut! T'auras qu'à te concentrer sur mes belles. Vas-y, c'est parti! Ouais. Elle a pas fini le temps qu'il a sa conversation. On sait même pas ce qu'on doit faire! on doit faire ne pas mourir, je dirais. Ah, ça, je sais pas. C'est quand même compliqué ce que tu nous demandes. Hein. Je sais pas si je peux répondre Prométhée. À cette... Un Prométhée. Oh, mais c'est un autre genre, c'est trop bien. Ah bah c'est bien qu'ils ont changé le style des planètes et tout ça. Nickel. Ah comme il se la pète l'autre, il a vu le drone et il a voulu faire un kéké. Ouais, c'est ça. Ça avait l'air de secouer. Nice, j'aime bien l'ambiance. Je n'ai pas. Par contre, ce qui va être bien, Nel, si jamais ça fonctionne, c'est que lundi, on va pouvoir être à deux sur Man of Medan. Ouais, mais il y aura vraiment les deux points de vue. Parce que je ne sais pas pour la semaine prochaine comment ça va se passer au niveau stream. Ah. Donc je te redirai. Ah, puis souci. Bah, j'ai quelqu'un à la maison. Pas si j'aurai accès à l'ordi. Ok.
En tout cas, sur le début de semaine, sinon ce sera après. Des billets. Tac. Ok, bah de toute façon, on verra. Hein. On verra, ouais, je te dirais. Envoyez des renforts. C'est quoi ce truc? Ah, c'est bon, tais-toi, on arrive. Oh, là, c'est ton pet. Attends, mais j'avais encore ça sur ton pet. Hein. Fâcheuse tendance à vouloir le tuer, lui. Mais pourquoi ça? Il est tout mini et tout en plus. Tu dis quand même. Je vois que t'es enfin là. Ça fait des plombes qu'on t'attend. Ah, dis merci à Lilith pour les pouvoirs. Oui. J'adore son truc des faucons ardents. Amuse-toi bien. Tac. Très bien, très sincère. En plus, 14. Ah, oh, 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 j'ai pris cher. Attends, je suis pas bien. Mais t'es où toi, Hydra? T'es là? Bah, je suis là, mais ça va, je suis déjà pris. Elle est tellement stylée là, qui est en flamme par contre. Par rapport aux deux, je trouve que ça change largement. Tiens, Hydra, je te donne un truc pour plus tard. Garde-le de côté. Attends, si j'arrive à retrouver... Viens vers moi, Nel. C'est là. Ça ira plus vite comme ça. Mais il veut pas. Ah voilà. Ouais, on est. Ah, merci. C'est bon. Tac. Bon, moi j'ai plus de vie donc je voulais gérer. Aïe. On est pas là. Vas-y, Kari. Ouais. Oups, t'es là. Ils sont dans le mal. Regarde toi. Oh bah ok. Vas-y, échange. Est-ce que vous êtes mort? Désolé, hein. Bah moi oui, et Lumanel oui, et bah moi j'ai eu du bol quoi, que j'ai eu ce bon coup. Je sais plus rien. Approche, j'ai du plomb pour toi. Je ne suis pas fait de sang, alors je crois bien. Je pourrais te filer avant de le regretter. D'accord, ok. J'appuie sur. Oh putain, je me suis bourré de lignes. Ah, bruit de crème d'andouille. Je vois rien. Non, j'avoue, moi non plus. Pourquoi tu m'as changé d'arme là? Ah, mon bouclier pris cher. Ah, y'a un boubou là-bas au fond. Enfin, je change de sort, j'ai l'impression. Derrière. Oups, derrière toi. Et merde. Oh putain, je vais crever aussi, moi. Bah alors. Ouais, moi aussi. Ah, ouais, ils m'ont cramé les fesses. Aïe. Ah, mais y'en a plein à côté de vous. Qui c'est qui est normal? Qui se souhaite? Moi je suis pas bien. C'est bon, j'en fais. J'ai pris le premier qui passait, hein, excusez-moi, mais. Non, vas-y. Je suis libre. Tire dans les pattes! On va sniper un peu plus tôt parce que là, il n'a pas eu de bobo. Ah, j'ai bobo! C'est bon pour lui. Ah putain, c'est la créature à oups aussi à chaque fois que je vise. Ouais, pareil. Mais là, c'est que des humains. Là, dites-vous, c'est que des humains là pour le moment. J'imagine que t'avais pas prévu ça. Oh là là. Venez me chercher, ton minable. Ok, on arrive. Prends les munitions parce que ça diminue quand même vachement. Hein. Je vais les retenir. Ouais, moi je suis pratiquement à sec. Ouh, joli coup. Nice. Oh, efficace. L'horloge. Entrée en matière. Plausi badass. C'est pas comme présentation, moi j'aime bien. Hey, toi, par ici. Coucou. Voilà, dépenser. Oh, on veut du loot, oh, on veut du loot. Il y a un stuff vert là. Un très spécial ici. Qu'est-ce qu'elle donne cette arme? Je le prends par rapport au pognon, quelque chose.
On va prendre, puis on va le vendre. J'oublie qu'il y a des trucs qui sont instanciés. C'est moi ! On sera en poids à vendre. Nom d'un skag, on peut dire que tu tombes bien. Ouais, tu vas me dire. Je sais pas comment, mais ces bandits ont des putains d'armes Maliwan. C'est vrai que ça se revend. En fait, je m'appelle Lorelai. C'est Rhys qui t'envoie ? C'est qui, Rhys ? Mon patron. Rhys ? Le président d'Atlas. La guerre avec Maliwan. T'es pas d'ici, c'est ça ? On a des cinglés qui apparaissent dans toute la ville en hurlant des histoires d'arche. C'est la faute des Calypso. Ils veulent l'arche. Et je suis là pour la trouver avant eux. Là-bas, il y a un truc pour revendre les gens. C'est Guignol qui encombre les connettes avec leur secte. Je ne sais rien sur les arches. Mairis saura sûrement. Allez, viens. Je dois justement lui parler de notre petit problème de bandit. Je ferai les présentations. Je les bip. Bonjour. Je vais pas rester là. Alors, on dit pas bonjour. Bonjour. Non, je dis pas bonjour. Ici, encore, il y a une quête, on la prend ou pas ? Ah, autant les prendre, hein. Même si c'est des quêtes secondaires, au moins. Ouais, c'est ton jamais, on peut peut-être les croiser sur le chemin. Ah, bah bravo, Claptrap ! C'est terrible, celui-là. Blue. Merci, Claptrap. Prends une caisse, on va devoir passer comme par le déversoir et c'est toujours la merde là-bas. Youhou! C'est une arme. Ton panier est moins mignon parce qu'il fait pas des petits. On y va à deux caisses, deux par deux ou. Mais j'ai quelques gars qui bossent derrière les lignes ennemies. Il faut que j'aille voir s'ils se sont pas fait choper avec tous ces bandits qui traînent. Je sais pas, comment on fait? Non, on prend chacun sa bagnole parce qu'il faut qu'il glotte. Donc moi et Nel, on est déjà parti. On vous a abandonné. Les forces d'Atlas se sont fait défoncer. J'utilise le peu d'hommes qui me restent pour protéger les civils. Très stylé, franchement, cette map. J'aime bien beaucoup ce côté un peu. N'oubliez pas que vous pouvez monter dans les bagnoles pour récupérer des accessoires. Et putain. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé des roues flottantes, ces bandits ? Mais il faut suivre les personnes qui les conduisent. Non, tu te mets sur le côté de la bagnole et t'appuies sur E pour monter dedans au moment où ils passent. Ok, ok. Non, là par contre, tu vois la voiture que j'ai shootée, il fallait la shooter parce qu'il y a un écho dedans. Je suis en train de le prendre. Tac. Ok, je répète une dernière fois et cette fois-ci lentement. Ne tue pas les hommes de là, regarde. T'as vu merde, le véhicule dans l'air. Vous avez vu le véhicule là ou pas? Lequel? Là. Celui-ci là ouais. Ça, faut pas le taper, hein. Je suis très fan de ton énergie, mais on ça, faut le piquer. Hein. Comment tu l'arrêtes? Mais tu descends de ton véhicule déjà et tu le poursuis à pied. Ah. Attends, bouge pas. Oh, elle est tombée, elle est descendue, c'était Lorelai en fait. Ah, c'était Lorelai. Et là, ah bah, et là on aurait pas pu en fait. Vas-y, va lui piquer la voiture, je pense qu'elle va pas être d'accord. Ah. Mes gars sont à l'intérieur. Laisse-moi leur parler. Eh ben, vous verrez pas ça tous les jours. Tu m'étonnes. Skyler. Skyler. Le mot de passe c'est ouvre cette putain de porte ou je t'enfonce un moulin à café dans le ah ouais, c'est direct c'est ça. Très efficace comme mot de passe. Comment ça se passe ? Ça bouge pas mal. Les bandits et Maliwan patrouillent ensemble, c'est pas normal. On a fait descendre des gens dans les tunnels au cas où. Et on a voulu contacter Rhys, mais Maliwan brouille nos communications. Et merde. Merci Skyler. Allez soldier. Suis-moi, on s'entraîne. 1, 2, 1, 2. Il y a une base d'Atlas dans le coin, avec une ligne directe au sud. Je suis sûr que si on reste là, demain il y a encore. Ouais, il y a moyen. Le mec, il a des muscles, c'est du béton armé. Moi, je ferais ça, je serais fatigué au premier truc. Vous venez ? Ah, moi, j'arrive à descendre sans problème, hein. Remonter, c'est autre chose. C'est notre état physique, je pense qu'on irait pas très loin. Ah merde, j'avais tué sur un gentil. Maliwan s'en fout qu'il se retrouve pris entre deux feux. Ils sont là pour prendre le contrôle d'Atlas et vendre les nouvelles armes de Rhys à leur nom. Je vais lui taper dessus. De quoi, sur le toilette ? Quête ici. Il me reste que la vengeance. Où ça ? Ok,
Okay. Ici, on a comme pris. Tu vois, ma vie est merdique en ce moment. Et c'est de con chez Maliwan. Le chieur. Ils en rajoutent des tartines. Comme s'ils faisaient un peu. Comme diraient les PNJ dans ton trou de balle. Ah oh. Ah oui. C'est pas mieux que dans le claptrap qui a carrément plein d'étoiles. Ah, par contre, les PNJ qui bloquent, ça c'est chiant. Si fouillez bien partout, hein, il peut y avoir des secrets apparemment. Ouais, mais en dessous d'escalier, il y avait deux machines à laver. Ça vient du cœur. Le client a toujours raison, du con. C'est pour toi. Oups, oups, t'as un score d'objet. J'ai pris. Ok, parce que je le vois toujours là. Ah bah non, c'est parce qu'en fait il y en a plus. N'oublie pas qu'on a chacun nos drops, hein. Ils drop. Pas faux, oui, mais. Ouais, ouais. Donc peut-être que les... peut-être ce qu'on drop, on le drop tous au final. C'est possible. Ah, truc de vente. Prépare-toi. C'est pas des bandits. J'ai bien fait de ramasser tout ce que j'avais trouvé de tout à l'heure. Maliwan est super équipé, mais on va les frapper fort. Non mais moi j'ai encore plein de plaies, j'ai pas du tout de masse de trucs. Qui c'est qui tire en tirant? T'étais en mode sneaky, t'as craqué. Tu as craqué devant ce que je disais, c'est ça? Si c'est pas beau. C'est qui a craqué? Y'a celui qui a craqué, il était en mode sneaky depuis le début et puis j'ai croisé. Il a pas pu s'en empêcher. Et qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que je jouais vraiment stream. En général j'ai gardé pour le stream. Et ouais. J'ai dit le seul avec qui je joue en général hors stream c'est Agnus et Swick sur Apex. Ouais. Et du coup il a réagi à ça. Merde, elle est avec nous même. Ah. Tac. Vas-y. Genre il bouge au moment où je vais pour viser quoi, saloperie. Toujours ouais. Très appréciable. Les robots sont chiants. Les petits drones là. C'est mes deux. Mmh. Ah mais c'est ton drone? Ouais. Ah merde, je tire dessus depuis tout à l'heure. Ah bah tu peux toujours. Les gros lards là, il faut taper dans leur dos. Ils ont un truc accroché au dos, faut taper ouais, dedans. Tire dessus. Ah, il a pris cher. T'arrives, hein. Putain mais sans déconner. Aïe aïe aïe. J'ai trouvé un bon petit fusil à pompe moi. J'ai un balle dedans. Allez, non. Bobo! T'es où nul? Je suis derrière toi. Ah, mais j'ai pris un de second souffle. Ok. Hop. Tac. Eh, elle est trop bien cette arme, j'aime beaucoup. Aïe, Bobo! Au secours, Karig! Karig, reviens! Where are you? Derrière l'escalade. Oui, sauve-moi. Mais c'est comme ça. Tu ça va pas traîner. Ah je peux leur coller des grenades moi dans la gueule avec mon fan. Merci moi. Je suis en pleine guerre hein, désolé.
On est en train de refaire la 4ème guerre mondiale. Non, c'est 4ème guerre galactique, tu veux dire. Non, c'était boue. Bien ce petit massacre. Ouais, ouais, c'est très sympa. Je fouille vite fait, voir s'il n'y a pas des munitions, parce que ça part quand même vachement vite. Ah moi ça va, vu comment j'ai amélioré déjà mes capacités de chargeur, enfin de chargeur. Ah, des stockages. C'est pour toi ça, oups. C'est où? Faut que tu le ramasses pour le recracher. Ah merde. Bah, oui. Oh là, je ne savais plus. Hop là. Merci mademoiselle. Ça te dérange pas, je te balance quelques bombes collantes sur la tronche. Oui. Vous avez relancé un fight? Ah, non, c'est juste que ça arrivait comme ça. Quand l'autre allait rentrer dans la truc. C'est génial, chasseur de l'arche. Il y a des trucs bizarres qui se passent. Bouge pas, Hydra, bouge pas. Siège mitrailleur, vas-y. Ça va, c'est chouette là-haut. Ah ouais, ça va, c'est cool. C'est quoi ça? Ah, par contre, il y a un nombre limité de balles apparemment. Voilà, c'est voilà. Cool, okay, fini. C'est quoi de ça? Un vendeur. Faut parler à Locke là, c'est ça? Ouais, je pense. Ah non, utiliser la console. Bonjour, ici Rhys Tronfort, PDG et général de guerre de la société Atlas. J'aurais juste une question. À qui je parle et comment avez-vous eu ce numéro? Lui, je vais lui clôter la tronche. Ah, on a pisse, quoi. La base limon avec un peu d'aide. C'est quoi cette chose sur ta tronche là? Oh, ça. C'est joli quand même, monsieur. C'est ma moustache de guerre. Les troupes adorent. Tu sais pas. Regarde, il a un joli œil à droite. Ouais, mais non. Mignon comme tout. Chasseur de l'arche, Picard. Oh merde, oui. T'as amené combien d'hommes? 20 000? 50 000? Il y en a 4. Il y a moi et mon méca. Ça suffira. Ah, n'est-ce pas? Quoi? Oh, allez, je vais pas reprendre la ville si j'ai pas une armée. Fais-lui confiance, Rhys. Tu peux. Et on a besoin de toute l'aide possible. Des bandits ont débarqué en ville et ils collaborent avec On dirait que Katagawa a passé un accord avec les Calypso. Super. Tout le monde se ligue contre nous. Eh ben la recrue, on peut dire que tu tombes à pic. Mon meilleur agent se prépare à attaquer le cerveau cosmique de Maliguan. S'il cherche vraiment l'arche, c'est là qu'on prendra les infos. Va rejoindre mon gars. Et je pense que demain, okay, dans la journée, je ferai peut-être des missions. Je vais remettre cette base en état et commencer à nettoyer la ville. Oups, t'avais ça? Tiens, avant que prends l'échange. T'es où? Je viens de t'envoyer un demande d'échange. Ah, c'est compliqué. Ah, attends, ouais. Puisque non, attends, ça a merdé. Au pire, tu peux toujours balancer à terre. Même tout à l'heure, elle a réussi. Je suppose qu'on va s'arrêter là. Mais je sais pas. Ah, quand on avait dit 22h30. On est 22h30? Ouais. Ça risque de dépasser un peu si on continue. Je ne te juge pas. Le merde, je le vois pas. Attends, je vais devoir manger. Je vais le terre, ça sera mieux. Enfin, après, ce qu'on peut faire jusqu'à 30, en fait, au lieu de faire de la mission, c'est d'aller chercher des véhicules. Ouais, ou on n'a pas des missions secondaires à faire? Je sais plus ce qu'on a à faire. Oh, il y a 50 missions, regarde. Je crois que Mega cracherait pas non plus sur une tasse. Va au café Rise and Grind qu'on se mette au boulot. Rise and Grind. Il y a des petits trucs. Tac. Regardons un peu la map. Ah, il y en a plein qu'on n'a pas fait d'ailleurs sur. Bah ouais, on peut retourner sur la première. Bah ouais, on est parti donc. Il y a pas un truc de TP par ici? Pour ce TP, tout le monde sort du menu et qui c'est qui a fait la partie? C'est Nel. Non, c'est toi. Non, c'est toi qui l'a... Ah non, c'est pas moi, j'ai pas fait jouer. Mais c'est toi qui... c'est pas toi qui rejoins à chaque... Enfin, je t'ai fait rejoindre, je crois. Non, je sais plus. Non, bref. Tu m'as invité en groupe.
Ouais, mais en fait, on a que Sanctuary ou Metroplex de Méridien. Non, bah non, non, on peut pas retourner en arrière. On peut pas. On s'est ici, obligatoirement. Tac. Si on reprend après, cette intersection, après, faut peut-être aller sur Sanctuary pour après aller sur. Et comme ça, garder le contrôle de toute cette zone. Bah, je sais pas. Alors, bon, allez, venez, on va se balader en voiture. Je l'ai jamais fait, donc j'en sais rien. Allons explorer. Comme ça, tu pourras t'en numérialiser un modèle à tous les terminaux. Oui. Tu veux venir, Dodo? Vas-y, je te prends, je t'embarque. Non, merci, ça ira. J'ai re le petit coup de lag. Coucou, super fan! Alors, qu'est-ce que tu penses de nos premiers sponsors? Je dois dire. Ah, ici! Il y a une voiture comme celle-là qui venait, là, cyclone flottant, je sais pas quoi. Hydra va la mettre. Ce qu'on appelle nos fidèles. Quoi? Bien sûr, moi. Nous ont filé tout un tas d'armes high-tech. Attendez, j'arrive! J'ai trouvé un véhicule. Qu'est-ce que tu veux faire? Va te mettre là-bas, là, dans le fond, là. Ouais. Et tu la poses sur le cercle jaune de façon à la débloquer pour elle tout le monde. Mais ça, je l'ai débloqué. Enfin, elle était dans mon inventaire. Ça peut marcher, ce truc. Et ça, il y a Jura, on n'aura peut-être pas le même truc. Hein. Je l'avais dans mon inventaire. Je viens pas de la prendre dans ton inventaire. Ah ouais, ouais. Comment qu'on apprend celle-là? Non, mais moi, par contre, j'en ai remis une note aussi, Dodo. À mon avis, tu dois l'avoir aussi. Ah ça? Ah oui, mais moi, je l'avais déjà, moi. Moi, je suis allé beaucoup plus loin que ça encore. Mais comment on la passe la petite derrière? Hein? Et Kerrigan, comment on ouvre des champs de force? Des champs de force? Ah ouais. Attends, il y a un fil là. Je suis le fil. Bouge pas. Mais non, et t'as tiré dedans complètement. Oui, j'ai essayé. Attends, il y a un truc là. Ah, il y a un truc. Je sais pas comment on pète ça. Ah non, ici il y a de l'eau, il y a de l'eau qui coule là-haut. Oui, mais le générateur est là, regarde. Là, ouais, voilà, là, il fallait faire couler l'eau pour que Et ici, il doit y avoir un autre. Là, il y a rien de plus. Tac. Ok. Fuir les gens. Non, c'est pas bon. Si, l'eau elle coule, hop, ça ramène le courant. Ouais, mais là, il y a rien qui s'est passé au niveau du chanteur. Non, là, il y a rien qui s'est passé. C'est normal. Il y en a encore plein en fait à faire, il y en a plusieurs, il y en a pas qu'un. Les lags, c'est un truc de fou pour conduire. Hein. Ouais, non, c'est assez violent. Il y en a un ou deux, il y en a pas qu'un ou deux, hein. Il y en a plusieurs. Ça a pas marché aussi, il y en a encore. Ah, mais les gars, il y en a encore là. Ah, oui, d'accord, ok. Ok, autant. My bad. Il y a quelqu'un qui me tire dessus par là, fais gaffe. Et si, ce truc J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction, genre Star Wars. Oh, vas-y, Isra. On se fait des combats à l'ancienne. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un droïde de caisse. Hein. Attends, ça fait mal l'eau électrifiée. C'est un mauvais concept ça. Excellent! La mienne elle est plus filée. C'est excellent. Un ménage pour la ramener là. Je... Yes! Level up! Niveau 11. Yes. Oui. Je suis un peu bourré avec mon. Regarde la mienne, elle. Elle est stylée comme ça avec le truc vert autour. Ouais, par contre, laisse-moi passer s'il te plaît. Non, attends, il y a un truc qui me tire dessus. Ouais, il y avait un truc qui me tirait dessus aussi. Oh, t'as vu le jump? Oh, il était où le tank? Il faut passer une commande apparemment là où je suis. Oui. Oh. Mais c'est quoi ce délire là? Allez, si ça ressemble bien. Donne-moi ça, toi, connard. Tac. Alors. I need that. Non, mais oh. Ça. Nice. Nice. Mais c'est putain de lag, sérieux? Ouais, t'as l'air de bien laguer. Bah, prends-la, ta putain de caisse là! Yaha! Et ils sont très classe, ça me fait trop penser à la course de... Ouais, j'adore ce véhicule. Ah, quand même, putain, vieux! Oui. Juste incroyable! Vas-y, on se fait une course, Isdra! Ils sont où? Vas-y, viens! Isdra, viens!
Ouais, attends, attends, et ça démarre lentement. Vas-y, on se met en position, on se met en position sur les plaques. Ouais, mais j'y ouvre dans le champ. L'objectif, c'est d'arriver le premier en autolock, d'accord? Ouais, je sais déjà plus où il est, mais vas-y. Ouais, moi non plus, donc ça va être rigolo. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Ah merde, Karia, non! Non, c'est pas du jeu! Terrible! Ah, c'est les aléas du direct. Ah, c'est go, je suis prêt! Ah, je suis prêt, non! C'est moi! Mais y'a Kirigan qui veut rentrer dans! Ah bah ça, on veut pas savoir! Terrible! Le demi-tour, je vais doubler Isra! C'était pas prévu! Les enfants, tu sais. Oh! Ah! Ah, c'était pas là qu'il fallait aller, merde. J'oublie de tourner. Non, c'est par là. Là-bas, y'en avait un qui. Y'a une 4 secondaire ici à prendre. Hop, je la prends. Ah, terrible! Je suis une motarde dans l'âme, mais tellement. Tellement une motarde dans l'âme. J'ai toujours rêvé de faire de la moto. J'ai jamais eu le temps de passer permis. Tu ne le saurais pas, j'organise un battle royal interplanétaire. On peut passer par les escaliers. Vas-y, j'essaye de monter, mais je crois pas. Il y a les pylônes en plus dessus. Devant, pardon. Ils bloquent les voitures. Qui la volte, qui anime un combat à mort diffusé en direct dans le quartier du spatioport sur Prométhée. Qui la volte est une ordure contre. C'est incroyable là. C'est injouable, Kagan. Ouais, ouais, ça commence à sérieusement à l'être, ouais. Bon, moi je pense qu'on va pas tarder à arrêter du coup. Je vais être honnête, on s'est fréquenté. Moi j'avance aux escaliers à pied, hein, du coup. Allez, on va essayer de le choper. Viens là. Viens là. Viens là. Pas étonnant qu'il était arrivé par une sèche de décérébré. Nice. Ah, un combat contre l'un des bonhommes qu'il faut tuer là. Il m'a gelé, au secours. Au secours, mon véhicule est gelé. Oh, c'est des gros, c'est gaffe. Y'a un mec qui gèle les voitures là où je suis. Terrible. Ouais, bah nous on est un peu dans le caca là, attends. Y'en a plein partout. Bon, le mec il crève vachement, il descend l'escalier s'il faut. Là y'a un truc, y'a un truc d'autolock. Tiens. Je dis s'il faut descendre l'escalier. Nice. Ouais, mais. Ah, ouais, merde, je suis. Ah, si là. Nice. On se fait tuer avec les 14 millions, je suis chatté. Ouais, bah on prend cher là. Oups, je sais pas toi, mais. C'est pour ça que je me suis planqué là. Ouais, mais y'en a partout. Attends, on est que deux là. J'ai tendance à me prendre un peu les murs. Oh, mais moi je vais crever. Nel, 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 arrête-toi, arrête-toi. Quoi? On a des contacts là, on a besoin d'aide. C'est bon, il est mort. En fait, on continue la quête principale là pour le moment. Ouais, ouais, mais il reste plein de petits là. Pour le moment, ça nous fait de l'XP quoi, surtout. Je bombarde. Je pilonne. Je. Mais tu vas me lâcher. Oh, je vais crever moi. Je suis mort. Je pilonne. Je suis mort à ta droite. Non, c'est bon. Je bombarde. Ah, mais il faut te sauver. Help, help me. Ouais, moi c'est bon, c'est bon, souffle. Bah ok, c'était bien de sortir de mon... Dire que c'est... Bravo. Oh, il peut avoir arrêté de me faire cramer la gueule, c'est con là. Allez, on le défonce. Oh, derrière, hein. Chopé les derrière, hein. Il va exploser, hein, faites gaffe. Ça c'est pas trop près. Il va ramasser le corps énergétique comme ça au moins on est tranquille, au moins on l'a pris. Et voilà. Maintenant, okay, pété. Retourne au Rise and Grind. Et gros, il y a encore des bonhommes derrière. Hein. Tac. Il est où? Ah, il est là. Écoute, je regrette, mais je suis la seule à pouvoir protéger ces civils contre les hordes de Maliwan. Oui. Ce café va sauver des vies. En commençant le par café. Il y a encore plein de monde là-haut. Ouais, ouais, t'inquiète pas, j'arrive. Il y a un truc visé pour te planquer à l'intérieur des grands. J'ai vu. C'est comment mon place. Dodo sur ta gauche. Ouais, mais je prends des munitions. Aïe. Merde, il a bougé. Oh, les lags. Attention, c'est tout sur ma gueule. Il se déplace. Ah, mais c'est un soldat flash, ok, c'est le principe. Il est où mon bonhomme, mon pète?
Il est en train de lancer des tonneaux. Non mais il lance des tonneaux. Je vais mourir sans pète. Ouais je sais, c'est pour ça que je rêve. Aïe, aïe, aïe. Tiens, y'en a un qui se tp devant moi. Ah, derrière toi, ouais, Karik, y'en a qui se tp. Dans la caisse, dans la caisse. Ça me charge là. Essaie de suivre. C'est bon, merci. Je crois qu'on les a un peu trop rush, ils sont pas habitués à avoir des gens ici. Ouais. Ah, chez moi. Donnez-nous des munitions là. Mon truc incendiaire. Ils sont relous les petits flashs là. Les flashs McQueen. Haha, fais spalm. Je suis dans le mal, je suis dans le mal. J'ai raté. Oh, j'ai plus de balles, ok, chez moi. C'est rigolo ces petits drones. C'est toi qui les contrôles ou quoi? Ouais. Ah, je peux leur dire d'attaquer une cible en particulier en fait. D'accord. Après ils se démerdent, ils font leur vie. Allez, on rentre. Venez. Il est meilleur celui-là. Il y a des loot ici. Hop, hop. Bah attendez, il y a des loot hein. Moi je compte sur tous les loot qui veulent cher pour le moment. Au pire des cas, je revends. Ouais, c'est ça. Comme ça. Aïe 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 aïe. La première des choses, de toute façon, à up, c'est munitions de ton fusil principal et après c'est ton sac. Ouais. Ouais, ça a l'air bien pénible. J'ai chopé un truc, prudence extrême, c'est un skill sirène apparemment. Ouh. Elle. Ouais, attends, je suis un peu plus loin, je vais aller poser le truc. Fouillez les petits tas aussi, hein. N'oublie pas les petits tas de. Cool, 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 là. Super cool. Salut toi. Ça devrait rebooter le magasin, Skip. Et ok, je sonne. Voilà. Salut toi. Et voilà, le courant est revenu. On peut l'avoir après, ce café je pense maintenant, que je vais, Tu t'as fait. Oh, bah, je vais arrêter de toute façon, je pense ça. Daniel, je suis crevé. Et en plus, je suis bigleux. T'es moche hein, quand même avec ton skin. Ça me donne une allure. C'est quoi, vous êtes reparti en fait. Ouais, ouais. On est reparti. Merci. Ah, putain, j'ai même pas ma voiture. Qui a pris ma voiture? Je sais pas. Personne. Moi j'ai pris la mienne, perso. Personne n'a fait ça. Je suis. Non. Elle a peut-être été cassée. Non. C'est pas, elle du était tout, là. Pas du tout le genre. C'est ça. Ouais, je suis sûr. C'est absolument pas ce que je pouvais être amené à faire. Non, je j'irai vérifier quand même. Si tu permets, j'irai quand même vérifier. Ouais, j'irai quand même vérifier. Je vais quand même regarder la plaque minéralogique. Ah, bah, je suis sûr que c'est la mienne. Je suis tout à fait innocent, tu vois, c'est pas la tienne. Mmh. Mmh. c'est elle en fait. Bah bien sûr. Bon, allez, moi je vais vous laisser là pour ce soir, merci pour les games. Mmh. Mais moi aussi. Merci. On peut décoller. Et puis bonne soirée et puis à très vite. À tout au vite. Bye. Merci à tous. Ciao. Ciao. Bonne soirée. Bisous. Salut. Et à demain. Merci à tous ceux d'avoir suivi ce live. Mais en tout cas, c'est une belle découverte ce border. Moi, j'aime beaucoup les univers. Donc, on a hâte de faire la suite. Ce sera peut-être pas pour tout de suite parce que on ira quand même refaire un peu Dark. Je vous laisse là pour ce soir. Oui, j'ai revérifié. Non, c'est bon. Je vous laisse là pour ce soir. L'abonnement et ciao.